est toujours loyal. Le beau joueur vient frapper la main d'Albersagnol. Quelques exercices de gymnastique pour se reprendre. Et hélas, pour lui, il est à nouveau au sol. Et cette fois, c'est le bras. Au quatrième top, il sera exactement 23h06. Sagnier, la charme sur Angelito. Vingt-trois heures, six minutes, vingt secondes. Il va préparer quelque chose pour se dégager de ça. Voilà qui est fait, peut-être. 6 minutes, 30 secondes. Et non, ça a failli. 23h06, 40 secondes. Angelito souffre là. Vous abandonnez. Au quatrième stop, il sera exactement 23h07. Et à chaque fois, on pense qu'il va s'en sortir, mais à chaque fois, Sagnier reprend le dessus. Ah voilà, une jolie ciseau à la tête. Voilà qui va peut-être permettre à Angelito de reprendre ses esprits. Si Sagnès lui en laisse le temps. Et non, il ne lui en laisse pas le temps. Il reprend les pieds maintenant. Joli pont. C'est pas grave, dit Sagnès. Non, pas de problème. Encore un petit pont. Un faux petit pont. 23h07. Et là, il joue au train. Voilà. Au quatrième. Visiblement, Angelito ne s'attendait pas à ça. 23h08. Toujours une grande rapidité chez ces deux hommes. 23h08. En efface tout heure commence. 23h08. Jolie prise de Sagnier sur Angelito. Et qu'elle essaye de se débarrasser, mais ce n'est jamais facile de partir des bras de Sagnier. 40 secondes. Le front légèrement dégarni d'Angelito. Et sa force d'avoir heurté le sol du ring. Il sera bien ce souci que lui procure Sagnier. 9 minutes. Et il lui en procure Sagnier des soucis, Angelito. 23h09, 10 secondes. Alors qu'il reste 5 minutes de combat et qu'il est bien difficile pour 9 minutes. De la porte, c'est une décision à prendre, de la prendre pour l'instant. Allez, porte Sagnès a tellement bloqué Angelito. 9 minutes. C'est ton jeu. Un joli raté des deux côtés. Et la porte à compter les deux hommes. Ils avaient oublié d'être l'un sur l'autre. Chacun sa manchette. La plus forte a été celle d'Angelito puisque Sagnès a mis un genou à terre. Et après avoir mis un genou à terre, Sagnès se retrouve légèrement dehors du ring. Avec Angelito. Les deux hommes dehors. De la porte dit revenez messieurs, c'est pas la boxe, ça se passe. Angelito est le premier à revenir. Sagnès revient. Et on se retrouve aussi vite qu'on s'était perdu. Et une bonne manchette pour faire voir que quand même on n'a rien perdu de son bon sens.
joli vol plané de Sagnez. Alors que de la porte, une prime a été offerte à Angelito. Ça lui redonne du cœur à l'ouvrage. Vas-y. Un joli bond de Sagnez. 23h, 11 minutes. Et Angelito s'en trouve par terre. Il essaye de se relever, une manchette. C'est Sagnez qui est à terre maintenant. 23h, 11 minutes, 10 secondes. Ah, il vole bien, mais quand il se cogne contre le coin, ça fait mal. 23h, 11 minutes. Peut-être qu'il va aller dans l'autre coin aussi. Ah non, pas du tout. Oh, solide bonjour de la part d'Angelito. 1, 2, 23h, 11 minutes, 30 secondes. Angelito profite de son avantage et continue à ennuyer Sagnez. 11 minutes, 40 secondes. C'est chacun son tour d'être compté. Hein. Mais ça ne va pas plus loin. Au quatrième tour. Voilà, ça suffit. Ce sera exactement 23h, 12 minutes. 2 minutes de combat. Allez! Allez, hein! 23h, 12 minutes. Joli voltige pour terminer ce combat. Les deux hommes à terre, ils volent aussi bien, ils sont aussi bien à terre tous les deux. 23h, 12 minutes. Il n'y a plus qu'une petite minute pour faire la différence, si quelqu'un veut la faire. 23h, 12 minutes. Angelito aura-t-il les ressources nécessaires ou bien au contraire, Sagnez a-t-il eu assez d'avantages pour avoir les forces nécessaires. 12 minutes, 40 secondes. Enfin, on peut dire que le combat aura été à peu près à égalité. À part les méchancetés que Sagnez a fait dans Angelito, gentille méchanceté d'ailleurs, lui prendre la main et la tête de temps en temps. La dernière minute, dit de la porte. Du coup, pour la dernière minute, Angelito se fâche et donne une bonne manchette à Albert Sagnez. 23h. Il va faire la décision, c'est maintenant qu'il doit la faire. 30 secondes. 23h. 13 minutes. 30 secondes. Allez, on met les dernières forces. On jette la dernière force dans la bataille. 13 minutes. Peut-être maintenant. 40 secondes. Ah non, deux seulement. Deux seulement. Sagnez va faire un ultime effort. Est-ce qu'il sautera dessus assez vite? Ah, j'ai bien l'impression que ça va aller jusqu'au bout. Et oui, c'est fini. C'est fini, on va voir la décision de monsieur l'arbitre. Est-ce que Jean-Luc Menot en a une en attendant? Ben oui, match nul, hein. Je crois qu'il va la victoire tous les deux, on peut les applaudir. Et je voudrais dire une chose encore, merci le TF1, parce que depuis un certain temps, TF1, la société SFP, redonne du cœur au casque. Merci. Et on va attendre la décision. Monsieur Delaporte se concentre. Match nul, dit Delaporte. Et bien voilà. Bravo à Jean-Luc Menot. Effectivement, les deux hommes ont bien mérité. Il est équitable, après tout, que ce match nul vienne conclure ce combat qui a été agréable à regarder. Merci à messieurs Angelito, merci à Bersagnez, merci à Roger Delaporte. Et c'est sur ce geste sympathique de chacun que nous allons nous quitter. C'était un reportage de Jean-Michel Pouramier sur des commentaires d'Alain Escoubé. Ici, la salle Marcel Cachin à Drancy. À vous Paris. 23h, 15 minutes, 20 secondes.
23h, 15 minutes, 40 secondes.